Salut! Alors, je suis parti pour m'entraîner un petit peu en OH tranquillement. J'ai installé la caméra, donc s'il se passe quelque chose d'intéressant, je le mettrai sur ma chaîne. Et on est parti. Bon, enfin une résolution un peu plus classique. J'ai un petit peu bugué sur la PLLT. Bon, c'est pas ma PLLT de mes plus grands jours, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? What? Incroyable. Je waouh. Je suis encore il est bien fini? Ouais, il est bien fini. Bon. C'est pas PB. Mon PB c'est 7,77 en Friedrich. C'était sur un OLL Skip PLLU. Là, c'est une LL Skip, mais en ZZ, évidemment. Hein. Donc, ça compense un peu, parce que le début de la résolution est forcément un petit peu plus long. Mais, pff, oh là, je sais pas les mots. Ah, je suis très content, parce que c'est mon deuxième temps en dessous de 8 secondes ever. Je n'ai, à part mon 7,77, je n'en ai jamais fait en dessous de 8 secondes. Et pour l'anecdote, le 777, je l'avais fait sous morphine. C'était en 2017, j'avais eu quelques petits soucis qui m'avaient fait passer quelques semaines sous morphine. Et j'avais fait PB, c'était du grand n'importe quoi. Mais alors là, c'est n'importe quoi. Donc là, pour ceux qui auraient éventuellement pas bien saisi, c'est vraiment du ZZ parfait ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je ne me suis pas rué sur terminer absolument la croix après avoir fait les O-line. J'ai profité de ce que je voyais. Ensuite, j'ai carrément fait du multi-slotting. Et au lieu de faire R', j'ai fait R2. C'est des choses qu'il faut voir hein, dans les F2L. C'est des choses qui paraissent pas forcément tout le temps intuitives. Pardon. Et du coup, LL skip derrière. Du grand n'importe quoi. Je ferai la reconstruction, évidemment.